Et bien sûr tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre aventure sur Star Wars Jedi Fallen Order avec notre épisode 3 comme d'habitude. Favorisez la meilleure qualité possible, mettez un casque ou des écouteurs, un petit truc à boire et à manger, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Et on retourne où on était. Nous voici donc au refuge souterrain. On avait trouvé un nouveau chemin pour y aller et aucun souci là-dessus. Ok, il y a du monde. Je vois trois mangeurs d'herbe, on va les appeler comme ça, je sais pas trop comment ils s'appellent. Je peux peut-être sauter. Ça passe, ça passe. Ça passe même très très bien. Ok, calme-toi frère. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, y'a rien, y'a rien. Attends, je suis pas tombé, t'as la dalle ou quoi? Très bien, jamais de la vie on arrive. Ouais, ouais, c'est pas ce que je pensais. Très très bien. Tout ceci est fort embêtant. Comment on va pouvoir faire? Qui voilà-je? Ok. On va descendre calmement. C'est fort embêtant ce qui se passe là. Oh, évidemment. Ok. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. On peut le scanner encore? Hein? Vas-y, je scanne. Hein. Vas-y frérot, sors-moi un petit peu. Dis-moi ce que je ne sais pas. Ok. Alors, autant on peut les touchotes, autant ils peuvent quand même nous infliger des dégâts. Et ça serait fort embêtant si vous voyez ce que je veux dire. Allez, scanne-moi ça aussi, nouvelle graine. D'accord, donc faut les scanner plusieurs fois. Il n'y en a jamais de trop. Très bien, on va passer par ici. Oh là là, les bruits, j'adore. Moi, ça me fait toute chose. Quand j'entends un sabre laser qui se déploie, ça fait toute chose. Ça me rappelle énormément de choses aussi. On va pas en parler, hein. Quand je déploie autre chose. Mais ouais, on va pas, voilà, on n'est pas là pour en discuter. Très bien. Une sorte de petit... hop, de petit lézard. Ok. On peut les tabasser ou pas? Non, on peut pas. Je veux pas les verrouiller, c'est qu'on va peut-être pas tuer tout le monde non plus. Ok, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Oh, qu'est-ce que... Tiens, tiens, tiens. Que veux-tu? Ouais. D'accord. Nouvelle donnée. Zor. Les ors vivent dans les zones rouges. Tu vois quelque chose? Oh, il y a un truc derrière ça, non? Oh. Oh my god. Ok, 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 frère. J'ai peur. J'ai peur. Ah, c'est donc ça, ressentir la force? Trop bien. Essaie encore. C'est difficile, maître. Oui, je sais, cette voie n'est pas facile. Elle peut même te sembler impossible. Mais la persévérance et la force sont d'excellentes amies. Elles t'aideront à surmonter tous les obstacles. Ta maîtrise sera totale. Maintenant, fais ton possible pour m'atteindre. Ok. Pourrais sauter sur les murs, ce qui est très bien. D'accord, let's go. Encore. Allez, rejoins-moi ici. Très bien, ça. Très, très bien. Le sprint mural, ma gueule. La persévérance et la force sont mes alliés. Eh oui, c'est ça qu'on veut. Je me rappelle juste de quelques trucs. D'accord, donc là, par contre, j'ai strictement rien à faire. On s'est inspiré des... Ouais, hop, il n'y a rien. C'était juste pour apprendre ce petit move des familles. Ça me tracasse, la grosse bête là-haut. Ok, on va pouvoir rentrer calmement. Let's go. Let's go. Ça, ça va m'aider dans beaucoup de choses. Incroyable. Ok. Allez, on y va. Ah, super. Tu peux me remontrer ce raccourci? Ok. Très, très bien. Atteignez le sanctuaire. Oh, ben, on va essayer de l'atteindre, t'inquiète pas. Là n'est pas le problème. Bon. Alors maintenant qu'on peut courir sur les murs, on va courir sur tous les murs qu'on voit, hein, rien à foutre. Hein. Hop. Très bien. Par contre, je me pose une question, mais ça a pas l'air d'être faisable. Hein. Je me pose une question. Est-ce qu'en passant par ce mur-là, j'y crois pas une seule putain de fucking seconde, mais bon. C'est pas possible.
On réessaye une dernière fois parce qu'on est un petit peu bébête. Non, c'est pas possible, d'accord. Le mur n'étant pas strié, on peut faire que celui-ci. Très bien, ce qui est fort embêtant. Ce qui est fort embêtant, ok. Ah, quoi qu'il... Attendez. Très bien, tout ça est fort embêtant. Ah merde. Ah ouais, donc en gros, quand tu te foires, faut faire tout le tour. J'ai envie de le retenter, mais quelque chose me dit que la force va me bloquer, tu vois. Quelque chose me dit que c'est pas possible encore à mon niveau. Je pense pas que ça soit vraiment possible à mon niveau. Toujours croire en la force ! Bien sûr qu'on croit toujours en la force ici, mon pote ! Let's go ! Eh ouais, vous y avez pas cru, hein ? C'était une zone de méditation. Pour quelqu'un connaissant l'ordre Jedi. Eh ben voilà, ça rapporte énormément de choses, ça. Let's go. Putain, content, les gars, content. Allez. Vous avez vu ? Toujours croire en la force. La force est toujours là. Ok. Alors. Par contre, c'est bien de croire en la force, mais c'est aussi bien de pouvoir sauter des putains de murs. Ok, let's go. Pas de soucis. Voilà. Peut-être pas méditer, ça sert à rien. J'ai pas perdu de vie. Pas besoin de save pour autant. Quoique, s'il y a un boss, à mon avis, on est dans une sauce. Ok, let's go. Let's go, tout va très bien. Ce sac appartenait à quelqu'un de Coruscant. Et ben voilà. Cette personne en voulait au Conseil Jedi. Mais quelle vie de merde j'ai, putain. Frustration, écho de force. Un sac laissé ici par quelqu'un venant d'eux. Et ben voilà. On en sait un petit peu plus. Bon, on a réussi à gratter l'XP à gauche à droite. Maintenant, on va pouvoir se barrer, puisqu'on a gratté aussi un move par la même occasion. Let's go. On va faire une petite méditation, histoire de save. Et n'oubliez pas que si on meurt, on perd tout l'XP. Et les ennemis vont repop. Donc, ça serait fort embêtant, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Allez, let's go. On y va, maintenant qu'on a un nouveau move. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Oh, salopard. Forcément, il est revenu. Très bien, voilà, ça explique ceci. Voilà. Tout s'explique. C'est beaucoup mieux maintenant. Ok, qu'avons-nous? Un coffre. Hey. Un petit poncho. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Nouvel interrupteur de sabre laser, courage et sagesse. Je veux pimp my sabre laser. Est-ce que c'est possible? Personnalisation. Le Mantis, BD1 et le Pancho. Oh, laissez-moi pimper mon sabre laser. Ah, je suis frustré. Oh, regardez. Trop bien. Contenu premium, excusez-moi. Hop, on le prend. Hein. Rien à foutre. Hein. C'est un contenu premium, je me la pète. Contenu premium, excusez-moi. Hop, on prend. Hein. Rien à foutre. Hein. C'est un contenu premium, je me la pète. Et oui, je répète beaucoup ce que je dis. Non, on peut pas. On peut pas. Réfléchis donc, Einstein. Ok. Par contre, là, on va pouvoir partir. Raccourci débloqué. Let's go. Bon, normalement, on a avancé. On a des choses derrière. On va essayer de se les faire quand même. Oh, salopard. Bien joué à toi. T'as été très vif. Ok. Encore un ? Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Dégage. C'est des Splocks ! Oh, shit ! Oh, shit ! La vie est nulle ! Let's go! Foutez-moi la paix, hein! On arrête la bagarre! Ok. On m'a dit qu'il fallait vraiment ressentir l'écho de tout ce qu'on pouvait. Ça rapportait beaucoup d'XP pour le coup. Il y avait un camp ici. Sûrement quelqu'un sur les traces d'une créature géante vivant par là. Un Binog, apparemment. Oh, ce coup critique, s'il vous plaît! Oh, 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 oh! Let's go! Ouais, c'est le coup puissant, ça. Hein. C'est quand ça sabre dans le sujet, tu vois. Pas discuter deux heures. Eh ben, très bien, on a déjà fait le tour. Il y avait rien à gauche. Il y avait rien
rien à droite. Oh. Attendez, hein, on sait que... J'ai déjà pu y aller ici. Quoique, attendez. C'est bien ce que je pense. J'ai fait le tour plus d'une fois. Ok, on va prendre un speed pack. Voilà. C'est beaucoup mieux. Mine de rien, ça remet pas full life. Trop bien, j'adore. J'adore, les gars. Franchement, j'adore. Tout ce que je fais, j'adore. Ok, let's go. Oh là là, les combats de sabre aussi, s'il te plaît, bordel. S'il te plaît. On en est où? Raccourci débloqué. Très bien. Je fais genre, je comprends la carte. Mais les cartes de Star Wars, les gars, c'est pas mon délire. Ok, suivez-moi. Qui même me suive? Let's go. Désolé, désolé, je suis très stressé en ce moment. Voilà, mon gars. Let's go, on y est, regardez. Magnifique. Magnifique. Sanctuaire ancien. On fait la course. C'est parti. Allez, go. Cavale, mon petit pote. C'est pas encore fini. Ok, d'accord. T'aurais probablement gagné. Probablement. Alors, j'aime pas trop tout ce qui se passe. Je peux interagir avec ça. Néanmoins, il y a quelque chose ici. Ok, il y a un écho. On va scanner déjà. Ok, c'est une offrande. Vous savez quoi? On sait jamais. On va se reposer. On sait jamais, vraiment. Ça m'embêterait de mourir. Autant récupérer un petit peu de vie. Et en plus, j'ai récupéré du steam. Donc de la santé. Parce qu'à mon avis, là, ça va partir en cacahuète. Attends. Ah, regardez. Merci, BD1. Ah, je suis tellement proche de passer un niveau. J'aimerais pas tout perdre. C'est parti! Direction dans un endroit sombre, humide, où on ne voit rien. Impressionnant. Ah oui! Ah bah, qui l'eût cru? Je te le fais pas dire. Il va y avoir un bruit ici. Hein. Ici, c'est la street, je vous le dis. Hein. Est-ce que ça va, BD? Bien joué, qui que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre de Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré. Bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Efo. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la Force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron de Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensibles à la Force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages et apprendre à percevoir les mystères de la Force comme l'ont fait les Efo autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Efo. Là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. Et que la Force soit avec toi. Ah.
J'imagine que tu es celui que je devais retrouver. Je suis. Tu sais, ça fait longtemps que... je suis tout seul. Je me cachais. Sans but précis. Isolé. C'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Serré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Hey, tu aimerais que je te présente... quelques-uns de mes amis ? Doucement, amis, on a appris à les connaître que récemment, hein. Allez, on va fouiller au cas où là-haut, on sait jamais. Il y a bien longtemps, dans une lointaine galaxie, je continue. Zepho, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zé pas vrai, excellent, on adore l'humour, chercher des tombeaux anciens sur Zepho, utiliser l'holotable. Eh ben écoutez, direction le vaisseau, on peut rentrer à la maison, le boulot a été fait. Et on va devoir retrouver tous les enfants sensibles à la force avant qu'ils ne soient littéralement découpés par l'ordre 66. Et let's go. On va déjà se reposer parce qu'on va, on va essayer de le taper, le boss. Ah, souvenez-vous, je vous avais dit, au moment de partir, j'aimerais bien taper un boss, donc on va se le faire. On va essayer du moins de se le faire, oubliez pas qu'il y a... J'ai trouvé ce que vous vouliez que je voie. J'ai l'impression, en effet. Nous attendons. Donc, oubliez pas qu'il touchote. On va essayer de ne pas se faire choper et de lui mettre littéralement... Non, quoi ? Wow, c'est magnifique ! Ok, mais c'est trop bien, je savais pas. Ok, en fait, en appuyant sur croix. Mais c'est trop stylé. Mais non, mais je kiffe. Ce jeu est trop stylé. Regarde, avec ta langue là, miskine. Sacrée langue par contre, hein. Force est d'admettre que tu as un organe, si je puis me permettre, plus que respectable. Ok, ça c'est fait. C'est là où j'avais le choix, je crois, non? Non, on peut aller encore en plus haut. Oh là là, incroyable! Oh, il va s'en passer des choses, dis donc. C'est ça avant tout le pouvoir de la force. Ok, là, y a rien. Là. On a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tiens. Ok, un atelier abandonné. Ça ne bouge pas. Oh non! C'est triste. Ok, je suppose que c'est là, non? Ok, mes couilles. Ça, c'est embêtant. Un atelier en bas de... Ok, il y a un atelier juste en bas. Il y a quelque chose, bordel, en bas. Comment j'y vais? On apprendra sûrement autre chose. Il y a quelque chose en bas. Et on a quelque chose ici aussi. Très bien. Vas-y, fais-moi rêver. On n'est pas prêt de quitter cette planète, j'ai rien à foutre. Mon ami, il semble que les effets portaient de l'intérêt à Datomir. C'est étrange. Que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. D'accord, destination trouvée. Datomir. Ok. Un petit atelier caché, ça me ferait plaisir, la famille. J'ai bientôt un point de compétence. Ça serait plutôt cool. Raccourci débloqué. Mince.
Eh ben écoutez, c'est pas pour tout de suite. Ok, on a un boss à faire. Je sais où on est à la porte qui était fermée. J'ai un boss à faire, j'hésite à me le faire. Hein. J'ai envie de me le faire. Vous savez quoi? On y va. On y va, on vit qu'une fois. YOLO, comme certains disaient. Certains Jedi disaient ça d'ailleurs. Ça devrait aller plus vite qu'elle a... Maître Yoda disait ça. Ok, c'était par ici. Calme-toi, tu me fais peur. Ok, oh, on peut prendre des raccourcis, c'est tellement mignon. Alors... Hop, désolé, j'aime pas les mauvaises herbes, j'en ai déjà parlé. Ah, ok, attendez. J'ai souvenir aussi qu'il y avait derrière, on sait jamais, si je peux passer un petit niveau avant de me taper le gars, ce serait plutôt pas mal. Ok... Ici, il y avait quelque chose. Voilà, mon ami. Comment on peut faire pour y aller? Il y a cette boule aussi, hein, de toute évidence. Non. J'ai pas les habilités nécessaires. Malheureusement. Tant pis. Bon, bah, ça y est, hein, il est temps, hein. Si près du but et à la fois si loin. Si je vois que je me fais tabasse, je reviens en arrière. Oh là là, j'ai peur. J'ai peur parce qu'il est chaud. Il est chaud. Je sais que ça va pas bien se passer. Putain de plante. Ok. Attendez, vous savez quoi? Je vais me faire un... Carrément me faire un chemin. Au cas où. Si je dois partir précipitément. Ce truc a l'air de sentir plus mauvais que Grise. Non, il me fait trop peur. Ok. C'était ça la vie! Putain, je l'ai bien arraché quand même! Hein. Les gars, j'ai retenu ma respiration tout le long pour ça. J'avais ma routine, tu vois, installée avec la force. Bon, je vais être très honnête avec vous, j'ai essayé au moins 6 fois et je n'y arrive pas. Il est beaucoup trop chaud, vraiment, il one-shot. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais lui mettre un coup, je vais essayer du moins de lui mettre un coup, c'est pas si évident que ça. Je récupère donc tout l'XP que j'ai perdu parce que c'est lui qui m'a fait perdre mon XP. Et je me casse. Okay. Quoique, je le sens là. Ok. Ok. Vite, un steam. Steam. À l'aide.
il est trop chaud, vous l'avez vu. C'est quasi du one shot, c'est quasi du one shot. Bon, bah là, je vais pas déconner, je vais vraiment récupérer pour le coup mon XP et on se casse. On aura essayé. On aura essayé une septième fois. Peut-être cette fois de trop. Et en plus, le chargement est extrêmement long pour le coup quand c'est le boss. Et ça, c'est très très chiant. Donc, je récupère mon XP et je taille mon pote comme j'ai jamais taillé. Rien à foutre. Et on va aller au vaisseau. Je reviendrai quand je serai plus fort. Je suppose qu'on pourra revenir sur cette planète. Là n'est pas le problème. Au moins un petit peu plus de force que je puisse limo un peu plus que deux fois. Allez, on va récupérer notre XP très rapidement. Et on se casse comme on s'est jamais tiré. Je vais limo, rien à foutre, et puis on se tire. Parce que en plus, la force se recharge pas vraiment. En tout cas, ça met du temps à se recharger. Je sais pas encore comment ça se recharge. Donc, on va le dézinguer et on se casse, mon gars. Allez, ça va, frérot. Voilà. C'est bon, je t'embête plus. Ok. J'ai besoin d'un steam. Vite. Non. 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 Yes. Oh putain. Navré pour ton connecteur. Au moment où j'y croyais plus. Au moment où j'y croyais plus, bordel. Let's fucking go. Au moment où j'y croyais plus, c'était terminé pour moi. Peut-être en défendant sa famille. Ok, il en faut. Mais attends, j'avais déjà une essence de vie que j'avais trouvée je ne sais où. Oh non. Alors pourquoi ça, je peux pas le prendre? L'interconnecteur doit être réparé pour faire marcher cet appareil. C'est quoi l'interconnecteur, gros? Oh non, c'est embêtant. Oh non, c'est très embêtant. Ok, on peut se tirer. Oh là 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 là. Ah non, réellement, au moment où j'y croyais plus, hein. Terrible, hein. Terrible tout ce qui s'est passé, hein. Ok, donc normalement, il repopera pas. Le boss est mort. Le roi est mort, vive le roi. Oh là là, terrible. Et là, imagine, je tombe. Oh, bah là, je me fous en l'air. Allez, let's go. On va pouvoir méditer. Je pense qu'il ne reviendra pas, très clairement. Il était tellement chaud, franchement. Je voyais la lumière au bout du tunnel, tu vois. Ça commençait à devenir terrible, ce qui se passait. Pourquoi l'essence de vie? Je suis persuadé que j'en avais une. Ça m'embête un petit peu. Allez, let's go. Oh là 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 là, quel plaisir. Quel plaisir. Déjà, on se repose. Ça, c'est fait. Ensuite, on a un point de compétence, on va se l'attribuer de ce pas. Mais ça, c'est grave stylé qu'on puisse récupérer l'XP en combattant l'ennemi qui nous a tués. Ça, je croyais que c'était pas possible, mais pas du tout. Augmente le niveau de la force, ça, clairement. Les défenses de Cal sont améliorées, il subit moins de dégâts. Et ça, à sa jauge de garde. Un chargement de ralentissement, Cal peut ralentir sa cible pendant plus longtemps. Ok, déjà, la force. Déjà, on va augmenter la force, clairement. Let's go. Force augmentée. Oh, quel plaisir. Quel plaisir, les amis. Oh, mais non, mais je suis content. Non, franchement, j'en avais marre. Entre les temps de chargement, mes morts et tout, c'était compliqué. Je voyais pas l'issue. Et là, ça y est. On l'a eu, notre issue. Elle était là. Elle était là, bordel. Quel plaisir. Ok. On va pouvoir se tirer. Alors, l'histoire de l'interconnecteur, j'ai pas tout bien compris, pour le coup. On reviendra. On va pas perdre trop de temps là-dessus. On a déjà perdu pas mal de temps, mine de rien, avec toutes ces... entre guillemets, conneries. Jamais de la vie, j'irai là-haut. Jamais de la vie, je pourrais sauter là-haut, pour le coup. Très bien. Ça, c'est là où il y avait le boss. Ok. Tiens. Eh ben, écoutez, let's go. Let's go. On y est retourné. Bon, souvenez-vous de quelque chose que j'avais vu. L'interconnecteur doit être réparé. Ça, je sais toujours pas ce que c'est.
commence à m'intriguer cette histoire d'interconnecteur. Souvenez-vous qu'on avait repéré un petit truc vers la gauche. Et j'avais dit, ah les gars, on commence à gauche, on finira à droite. Donc peut-être que, sur un malentendu, ça donne envie de visiter, on va pas se mentir. Là, là, c'était ici. Ok. Très chaud. Très très chaud. Allez, let's go. J'ai tellement cru que j'allais mourir, les amis. Mon dieu. Mais non. Pleine fracturée. On n'est jamais venu ici. Eh ben, nickel. Alors. Wow. Calm down. On va pas se battre quand même. On est des adultes. Attends, je peux aller vers lui ou pas le taquiner un peu là, celui-ci? Non. Non, 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 on va arrêter de faire les fous, ça commence à devenir chiant. Ok. Let's go. On descend calmement. Ça, ça me dit rien, ce puits. Est-ce que ça serait pas l'interconnecteur, justement? Ou peut-être de l'XP, qui sait? Ok. Alors, qu'avons-nous là? Un coffre? Une boîte de Steam. Ouais, ici. Attends, ça veut dire en prendre plus? Merci, BD1. Oh yes! 3 Steam, ça veut dire? Trop bien! Non? Oui! Mais c'est méga stylé! Mais c'est méga stylé. Ah, je sais où on est! Non, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai pas le truc pour repousser. J'ai pas le pouvoir de repousse. J'ai juste le pouvoir... ok, je pense qu'il faudra revenir ici. Il faudra clairement revenir ici plus tard. J'ai juste le pouvoir pour ralentir le temps, mais pas pour amener vers moi ou pour repousser. Trop stylé, putain. J'adore, j'ai hâte. Ok, là, y a rien. On peut se tirer. Eh bien, c'est parti. Direction le vaisseau. Et on va s'arrêter là. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, il m'a plu. Je peux vous dire que le boss m'a fait tilter de ouf. Je me suis énervé tout seul dans mon coin. Mais on a réussi à le faire. Au moment où j'y croyais plus. Au moment où j'y croyais plus. Comme quoi, vous voyez, c'est... Il suffit de se dire, attends, on peut le faire. On peut le faire. Bon, il suffit pas de se dire ça. Parce que je me le suis dit quand même 7 ou 6 fois. Et ça a pas marché. Néanmoins, on peut le faire. Allez, go. Je vais méditer. S'il vous plaît, j'ai besoin de beaucoup de concentration. Mettez un like sur cette vidéo, d'accord? Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. On va pouvoir quitter la planète et en découvrir une toute nouvelle lors du prochain épisode. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On va faire la cinématique s'il y en a une quand on rentre dans le vaisseau. Ouais, je rentrais à côté du vaisseau. Moi, je voulais passer par le pied du vaisseau. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour BD1? Monte à bord et on va en parler. Oh, BD1, ça c'est Grise. Salut Grise. C'est quoi ça? Vire de mon canapé. Ouch, descends de là. Allez, fiche le camp. Allez. Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli? Non, pas vraiment. Ah, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, Cal. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Efaux. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez, attendez. Un holocron? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la Force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Avec les enfants de cette liste,
Nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y! Oui, mais l'Holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses effets. Ok, très bien. Alors où on va? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant? D'accord. D'Atomir ou Zepho, c'est toi qui décides.